Priviet et d'abropa shalavat. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à une nouvelle vidéo. Et l'artiste, ce sera Ekaterina Chelehova, donc qui est une artiste incroyable. Mais juste avant ça, les deux vidéos sur ma chaîne principale et sur ma seconde chaîne seront dédiées à Magwe qui est parti il y a 2 jours. Voilà, je vous mets une petite photo de Magwe. Voilà. Eh, faut bien qu'il. Voilà, bref. Voilà, donc. Si vous voulez. Si vous voulez ne rater aucune vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà, avec. Le cochage de la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications sortant de la chaîne, vraiment toutes. Hein. Et si jamais vous ne connaissez pas plus Ekaterina Chelehova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller parce qu'il y en a, il y en a peut-être un peu moins de 10. Attendez 2 petites secondes. Voilà, je disais, il y en a peut-être un peu moins de 10, mais honnêtement, vous allez voir, c'est une chanteuse absolument incroyable, même si elle est partie de Russie. Je crois qu'elle vit en Italie, mais franchement, c'est une femme absolument incroyable. Donc, je disais donc, si vous voulez en connaître plus sur Ekaterina Chelehova, n'hésitez pas, descendez dans la description. Le premier lien, ça sera sa chaîne YouTube. Et le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Alors, c'est un nouveau titre qui vient de sortir. Et donc, nous allons y réagir. Ça s'appelle Fly Away. Donc, voilà, la traduction est très simple. Et si jamais vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas, comme je dis tout le temps, il y a tous les liens dans la description, ainsi que mon Rutube, mon VK, mon Telegram et mon Instagram qui vous permettent de communiquer avec moi. Donc voilà, on est parti pour ce Fly Away et je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite dans 3 minutes 42. Allez, on est parti. J'ai fait le réglage parce que l'écran, il y avait un petit souci. Maintenant, c'est bon, j'ai réglé. Donc, on se retrouve tout de suite pour mon ressenti. À tout de suite. Spirits guiding the path with their voices.
Avec petit basque, on fait des pinchos. Alors là, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré parce que, vivant ce que je vis en ce moment, cette chanson est vraiment un baume pour l'âme. Et merci encore à Ekaterina et au... Je sais pas, il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont proposé cette nouveauté de Ekaterina. Merci beaucoup. Parce que, alors je vais me répéter encore, à chaque fois, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent aussi, peut-être, c'est peut-être pour ça que je me répète. Ekaterina et... Et ça y est, j'ai perdu son nom. Enfin, deux chanteuses classiques m'ont fait tordre le cou à des concepts de quelqu'un qui aimait le rock, n'aime pas... N'aime... Enfin, moi, j'aimais pas forcément les chanteurs classiques. Vous savez, Pavarotti, oui, c'est beau. Mais pour moi, il manque quelque chose pour l'émotion. Ce n'est que mon avis. Attention, il y en a d'autres qui vont réagir autrement. Mais Amira Villegagen, voilà, je viens de me rappeler, et Ekaterina Shelyova m'ont fait changer d'avis. Enfin, pas changer d'avis. Elles ont réussi, elles, à me faire découvrir de l'émotion dans du classique par leur interprétation qui est juste incroyable. Et là, Ekaterina l'a encore montré magnifiquement parce que déjà, vocalement, elle est, pour moi, parfaite. Et en plus, de plus, elle est magnifique. Et tous les clips qu'elle peut faire sont tournés vers la nature et c'est des choses vraiment très, très, très agréables. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai grandement apprécié cette magnifique interprétation de Ekaterina Shelyova. Et malgré qu'elle vive hors de Russie, elle a un talent absolument dingue et les gens ont droit de vivre hors de leur pays. Mais après, oui, effectivement, il ne faut pas déglinguer le pays duquel vous êtes parti. Effectivement, ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain sans faute pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain sans faute. Et Magoé, je t'aime. Peu importe où t'es, sache que tu resteras toujours là et là. Voilà, donc je vous aime vraiment très fort et on se retrouve demain. Allez, je vous aime vraiment très fort, à demain.